Salutations à tout le monde, c'est moi toujours Gilmas, votre humble serviteur. Je vous ai toujours parlé des finances, comment épargner de l'argent, comment quitter dans la pauvreté et vivre une vie de prospérité. Je suis encore là pour vous donner des conseils. À chaque fois que vous regardez, vous visionnez mes vidéos, si vous les aimez, n'oubliez pas surtout de les partager, de commenter, d'aimer la vidéo si vous aimez la vidéo, et abonnez-vous à vous, surtout vous qui êtes encore nouveau sur la chaîne ici des Chroniques de Net TV. C'est là où je partage toujours mes expériences. Je ne suis pas un financier, je n'ai pas de l'expertise dans la finance, mais les petites expériences que j'ai, en tout cas j'aimerais les partager avec vous, puisque si je suis capable de surmonter beaucoup d'obstacles pour arriver dans l'état où je suis aujourd'hui, je ne pense pas que c'est mieux de garder silence et de garder les secrets pour moi seul. C'est pour cela que j'aime toujours et j'aimerais toujours partager mes expériences pour que ça puisse aider aussi les gens qui veulent apprendre de nouvelles choses, qui veulent changer leur mode de vie. Quand je vais vous parler de mon histoire, surtout, venir ici en Occident de l'Afrique, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas grandi dans une famille vraiment, vraiment riche. C'est une modestie. Je viens d'une famille modeste. Je ne suis pas comme les gens qui, dès qu'ils arrivent ici en Occident, ils se tapent des poitrines et ils sont venus des familles et des riches. Souvent, tout le monde ici appartient dans une famille soit royale, soit impériale, soit famille des dinosaures, des patrons, quoi. Mais moi, je viens d'une famille modeste. Alors, quand je suis venu ici en Occident, je ne voulais pas vivre, soit vivre en dessous de la moyenne que j'ai reçue de mes parents. Je devrais faire tout pour que je vive au-dessus de ce que mes parents m'ont donné. J'ai envie toujours de voir que mes parents me voient et disent que notre fils a percé. C'est ça mon idée, c'est ça ma vision. C'est pour cela que quand j'ai quitté mon pays, j'avais décidé, j'avais l'âge de mineur. Mais je ne pensais pas qu'un jour je pourrais vivre la vie que je vivais chez nous au Congo. Bien qu'on avait même pas, on avait des voitures aussi à la maison. Mais je pensais toujours, je m'imaginais être au-delà de ce que mes parents m'ont donné. C'est ça. C'est ça qui était une de mes rêves. Aujourd'hui je suis ici, mes premiers jours ici en Occident, j'étais à l'école secondaire, mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler des travaux partiels. J'ai fait des gas stations pour pomper les carburants des voitures quelque part. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai appris à gérer de l'argent, j'ai appris à recevoir mon salaire, j'ai appris à gérer mon argent, j'ai appris à épargner de l'argent avec le salaire minimum. Ici, il y a des gens qui ne vivent pas avec le salaire minimum, ils ont vraiment de l'argent. Ils ont de l'argent. Mais ce qui est vraiment dégoûtant, quand je vois ces gens-là avec beaucoup d'argent, ils utilisent leurs argent. Il dépasse l'argent dans des vêtements, dans des souliers, dans la boisson, dans des cigarettes. Des fois, je me demande si elle me donnait l'argent là et que j'avais l'argent en main comme ça, aujourd'hui, je serais très loin, puisque ils ont plus que moi. Ils ont le double de moi, de ce que j'ai. Mais moi, avec le peu que j'ai, j'ai appris à épargner quelque chose. C'est pour cela que je vous ai appelé aujourd'hui à ne pas vivre
pour faire plaisir à des maisons d'habillement, des Gucci, des Kuala. Ce n'est pas votre vie. Quand vous avez quitté le pays, vous n'avez pas quitté pour prouver aux gens que vous êtes sa père. Vous avez quitté seul, vous aviez quitté votre pays seul. J'ai quitté mon pays seul. Et quand je suis venu ici, bien que je suis avec mes parents, j'ai appris à vivre, à grandir, à être autonome et à gérer ce que j'avais, mon revenu. C'est pour cela que je vous appelle aujourd'hui, vous qui m'écoutez maintenant. L'argent que vous avez, quoi que ce soit, l'argent que vous avez, même si c'était faible revenu, mes chers amis, il y a toujours un moyen d'épargner de l'argent. Il y a toujours un moyen de sauvegarder quelque chose. Oh, également, ce n'est pas seulement laisser l'argent dans la banque qui vous fera un riche. Non. L'argent dans la banque, vous savez bien qu'il y a l'inflation. L'inflation par an, ça peut être 4%. L'argent que vous avez mis aujourd'hui, à janvier par exemple, janvier 2021, si vous avez mis 1 000 dollars, à janvier 2023, ce n'est plus la, ça sera 1 000 dollars, mais la valeur ne sera pas la valeur de 1 000 dollars. Alors, laisser l'argent dans la banque vous fera toujours pauvre. La seule chose que j'ai appris, dès que vous avez l'argent dans la banque, après avoir une somme là, d'urgence, une somme d'urgence, ça peut être 1 000, 2 000 dollars, ça dépend de vous. Il faut apprendre maintenant à investir votre argent. Investissement, c'est ce qui vous fera de l'argent. C'est ce qui vous fera riche. C'est ce qui vous donnera une prospérité financière. L'investissement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, de façons aussi d'investir votre argent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez vous renseigner sur l'investissement. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous éduquer, vous pouvez acheter des livres qui parlent de finances, les livres qui parlent d'investissement. Il y a beaucoup de moyens de vous instruire. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour ça. Alors, vous qui m'écoutez, si vous ne voulez pas tomber dans les pièges de ceux qui ont échoué en Occident, si vous ne voulez pas tomber dans les pièges de ceux qui ne veulent pas réussir dans la vie, évitez à gaspiller de l'argent. Apprenez à investir l'argent. Si vous avez, par exemple, si vous êtes capable d'avoir un revenu de 2 000 dollars, par exemple, 2 500 dollars, par exemple, vous avez vraiment tous les moyens d'investir. Si dès que vous recevez votre salaire, vous allez bénéficier 200 dollars, soit 300 dollars, vous investissez vos 300 dollars par mois, je vous dis par mois. Dans un an, vous aurez déjà plus de 3 600 dollars dans un an. Seulement en investissant 300 dollars par mois. Et si vous avez, par exemple, les revenus plus de 3 000, vous pouvez investir 500 dollars. Dans un an, vous aurez 6 000 dollars. C'est automatique comme ça. Et puis, si vous avez 5 000 pendant 5 ans, ça vous fera 25 000, comme ça. Il faut avoir maintenant l'esprit de faire, l'esprit qui vous donnera le goût d'investir. Il faut avoir le goût d'abord d'aimer l'argent. Il faut avoir le goût d'investir l'argent. Il faut avoir l'envie de réussir. Il faut avoir l'envie de devenir riche. Ce sont des éléments que vous devez mettre à place pour commencer à investir. Les éléments que je viens de citer, une discipline, une décision, il faut d'abord aimer ce que vous voulez faire. Il faut avoir des visions. Pendant 5 ans, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent? Ce sont des petites choses que nous devons apprendre à mettre à place. Si vous voyez que, pardon, si vous voyez que votre argent, c'est le loyer qui cause problème. Comme tous les Occidentaux se plaignent à cause du loyer. Quittez les villes qui sont encombrées, les villes, les grandes villes.
Changer de milieu, va dans des petites cités, dans des petites villes, dans des petits coins. Si ça pourra vous, si changer, changer le milieu pourra vous donner même 300 à 400 dollars le mois, seulement pour un déplacement, c'est déjà un acquis. Si vous aimez le luxe, c'est autre cas. Mais si vous voulez réussir, c'est notre cas aussi. Il y a un choix. Soit vous vivez dans le luxe aujourd'hui et vous criez demain, soit vous vivez une vie modeste aujourd'hui et prospérez dans l'avenir. C'est un choix que vous allez faire. C'est un choix. Quand je suis en train de vous dire de telles choses, c'est parce que j'aime que nous puissions tous réussir dans la vie. On n'a pas quitté l'Afrique pour venir prouver aux gens qu'on est de sa pair. On n'a pas quitté l'Afrique pour de n'importe quoi. Il y a des gens qui ont vendu. Mes chers amis, il y a beaucoup de vidéos qui viendront pour vous donner des conseils sur l'éducation financière. C'est moi, Guilmas. À ceux qui veulent, qui ont aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. Partagez la vidéo abonnement. N'oubliez pas surtout de vous abonner puisque les bonnes choses seront toujours ici à la chaîne. Ici, je vous ferai toujours des vidéos qui vous feront du bien, qui vont vous changer d'avis, qui vont vous changer d'idée, qui vont vous changer la façon de voir les choses, la façon de vivre les choses. À plus. Bye.